Eh bien salut tout le monde, c'est Matatio, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 de mon tout nouveau let's play, de mon tout nouveau let's play sur The Legend of Zelda Non, sur Portal, bien sûr. Je bouge. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement assisté par ordinateur d'Aperture Saiyan. Nous espérons que votre détention dans le caisson de relaxation s'est bien passée. Votre échantillon a été traité. Nous pouvons maintenant procéder au test. Avant de commencer, vous devez savoir que même si le divertissement et l'apprentissage sont au cœur des activités du centre, vous risquez de subir des lésions irréversibles. Pour votre sécurité et pour la sécurité d'autrui, veuillez ne toucher à rien. No por favor, botón de falla, muchos gracias. Reculez. Le portail s'ouvrira dans 3, 2, 1. Bon, je disais donc, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de mon tout nouveau let's play, enfin tout nouveau, pas forcément, sur, j'allais encore dire Zelda tellement je fais des let's play sur Zelda, sur Portal premier du nom. Alors, je suis sur émulateur, j'ai déjà fait il y a longtemps un let's play sur Portal, mais j'estime qu'il a extrêmement vieilli, donc je voulais refaire le let's play. Voilà. Étant donné qu'il y a quelques années, j'attire votre attention sur le champ de particules incandescentes devant la sortie. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science vaporisera tout matériel non autorisé la traversant. Prenons comme exemple le cube de stockage lesté d'Aperture Science. Donc, disons que. Le cube de stockage lesté sur le gigabouton d'extra-collision d'Aperture Science à charge supérieure de 15 000 mégas. Très bien, elle va beaucoup parler, mais bon, c'est pas grave. Disons que c'est un jeu que j'avais fait il y a... Vite, il y a très longtemps. Mais le let's play a très très mal vieilli. Rapidement dans le sas, car les effets d'une exposition prolongée au bouton n'entrent pas dans le cadre de ce test. Voilà, et en fait, c'est le but du jeu, c'est de remplir plein de casse-têtes, donc elle risque de me couper la parole très souvent. C'est un let's play semi-muet de ma part, mais c'est pas grave. J'avais fait le 2 il y a quelques temps, parce que j'avais déjà fait le 1, mais comme je disais, mon let's play a très très mal vieilli, il y a des temps de chargement, et je voulais le refaire, et clairement... Votre diligence. Veuillez noter que les saignements bucco-dentaires n'entrent pas dans le cadre de notre protocole de test. Mais il peut arriver que la grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science occasionne des effets secondaires au niveau des plombages, des couronnes, de l'émail et des dents. C'est ouvert, super. Alors, le jeu a vieilli, c'était un jeu bonus d'un autre jeu. Yay! Yay! Vous êtes désormais en possession du générateur de portail d'Aperture Science. Ouais, hop là! Celui-ci vous permet de créer attendez. Des portails. Attendez, attendez, attendez. Les portails interdimensionnels sont sans danger. Je l'ai loupé. Générateur, ne touchez pas le faisceau du générateur. Ne regardez pas directement le faisceau du générateur. Tenez le générateur à l'écart de tout liquide. Plus important encore, vous ne devez en aucun cas sortir. Très bien. Yay, je l'ai cassé. Tiens. La bonne exécution des activités autorisées. Veuillez c'est par là. Détruire les appareils de test vidéo. Je fais ce que je veux d'abord. Voilà, c'est par ici. Donc, je sais pas ce que je voulais raconter. Voilà, donc c'est un let's play que je voulais refaire parce que je trouvais qu'il avait mal vieilli, pareil que Evoland. Et je crois qu'à partir de là, j'aurais fait un peu tous les let's play que j'aurais aimé vous refaire. Et on pourra reprendre sur des jeux que je vous ai jamais fait. Voilà, c'est un jeu qui risque d'être très court. Ah oui, c'était un jeu bonus. Au départ, je vais pas avancer parce que j'ai peur qu'elle parle. Qu'elle parle, pardon. C'était un jeu bonus d'un autre jeu. Peut-être de Left 4 Dead, je sais pas. Donc voilà, allez, je continue. Je vous invite à aller voir mon let's play sur Portal 2 et Portal 2 Coop parce qu'ils sont tous deux très 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 drôles. Hop là, bon. Ça c'est un casse-tête. Très très vite réglé. Aperture Laboratory. Le 2 en termes de lore est tellement plus développé, hein, je vous le dis. Là c'est juste une série de casse-têtes et puis vous allez bien voir. C'est un jeu assez sympa et beaucoup pour les matheux aussi. Voilà, voilà. Bienvenue dans la quatrième salle de test. Vous vous en sortez bien. Oui, je... Allez, viens.
Est-ce que je peux le prendre de là? Oui, bien sûr. Hop. J'insiste, très beau travail. Ah, merci. Conformément au protocole de test, vous ne serez pas surveillé dans cette salle. Vous serez livré à vous-même. Bonne chance. D'accord. Bon, on va écouter un peu ce qu'elle dit parce qu'elle est rigolote. Le personnage. Le robot qui parle se nomme GLaDOS. Je sais pas. Non, c'est pas précisé dans l'aventure. C'est vrai que c'est pas précisé. Alors. Je me souviens la première fois que j'ai joué au jeu, je l'avais craqué à l'époque. Veuillez ne pas détruire les appareils de test vitaux. Donc je disais que je l'avais craqué. Ces objets sont indispensables à votre succès. Veuillez ne pas détruire les appareils de test. Ouais. Donc je disais, tiens, voilà. J'ai craqué le jeu à l'époque et je pouvais pas le finir parce que y avait un bug. Et ensuite, plus tard, j'ai pu l'acheter et faire le jeu. Et voilà. Donc, et le jeu, il a tellement bien fonctionné, comme je disais, qu'ils ont fait une suite. Conformément au protocole de test, vous faire croire que vous ne seriez pas surveillé dans cette salle était une information fabriquée de toutes pièces. Bon travail. Conformément au protocole de test, nous conformément. Cesserons de masquer la vérité dans 3, 2... Ce sera une menteuse jusqu'au bout, du coup. Écoutez bien ce qu'elle dit parce que c'est un personnage très rigolo si vous ne connaissez pas le jeu, bien évidemment. Alors, la rencontre des petites boules, ces machins, faut les emmener là-dessus. La sécurité est au cœur des préoccupations du centre d'enrichissement. Boum. Voilà. Vous devez faire la fierté de vie du sujet. Oui, j'ai peut-être pas précisé, mais en fait, bien évidemment, si je mets un portail ici, je traverse dans l'autre, machin. Bon, c'est vrai que c'est tellement intuitif, je connais tellement bien le jeu que j'ai oublié de le préciser. Et je vais être honnête, hein, si je refais ce jeu en let's play, c'est vraiment par principe, en termes de qualité visuelle. Donc je vais vraiment considérer que tout le monde connaît plus ou moins le jeu et qu'on est là pour passer un bon moment. C'est rare de ma part, hein, que je fasse comme ça dans mes let's play, mais voilà. D'ailleurs... Tous les équipements mobiles doivent être munis d'avertisseurs audibles. Cependant, les alarmes et les feux de détresse semblent perturber les sphères ultra-énergétiques. Pour votre sécurité, elles ont été désactivées. Bien. Okay. Utilisez maintenant l'échafaudage non stationnaire d'Aperture Science pour atteindre le SAS. Super. Voilà, voilà. Donc, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ce jeu. Je sais plus, il y avait un autre truc que je voulais ajouter, mais bon voilà. Ah oui, non, si, c'était l'arrivée des petites sphères, comme je disais. Bon, bah, des fois je vais anticiper les choses. L'échec n'est pas sans conséquence. Si Ah vous bon? touchez le sol de la salle, la mention insatisfaisant sera portée sur votre rapport officiel et sera suivie de votre mise à mort. Bonne chance. Oh, j'ai. Je vais me décaler. Oui, je sais. Et là, j'imagine. J'imagine que ça va toucher le truc là. Ouais, super. Et va falloir que je me mette là. Parce que là-bas, on peut pas y aller. Oh! Non! Tiens! Oh, le salaud. Donc voilà. Le jeu est fait avec le même moteur que Garry's Mod, si je me souviens bien. Si ma mémoire est bonne. Well, la sensibilité, elle est chaude là. Elle est chaude. D'ailleurs, dans le 2, on a. Parce que là, c'est vraiment une série de casse-tête, comme je disais. Dans le 2, on va en apprendre plus sur le lore. Je vous invite à aller voir mon let's play. Par exemple, comment. Pourquoi ça marche sur certaines surfaces, le portail, et pas sur d'autres. Quelles sont l'origine de ces surfaces. Qui a été le créateur de Capture Corruption, je veux dire, non. Aperture Laboratory. Bien Le sûr. centre d'enrichissement a le regret de vous informer que ce test est impossible à résoudre. Il est inutile d'essayer. Il est inutile d'essayer. Alors pourquoi je m'embête à faire ça? Parce que le bloc, si je le passe là, il se casse. Une grande ingéniosité Voilà. malgré une situation des plus décourageantes. Oui. Voilà. J'ai une touche qui me permet de tourner comme ça, j'espère que ça vous plaît. J'aime bien parce que l'image ne suit pas entièrement, il y a des sortes de...
Vous voyez, il y a des sortes de... comment on pourrait dire? De glitch visuel. C'est drôle. Alors... Rebonjour. Nous avons renouvelé notre avenir. Voilà. Ce test exige une grande maîtrise. Oui, t'inquiète, sœur. Extraordinaire. Vous avez compris l'influence des portails sur la dynamique. Oui. Au plus on prend de la vitesse... Ah. Au plus on prend de la vitesse, au plus on va loin. Je sais. Regardez, hop là. Et là, on est plus haut. Et là, ouais. C'est une blague? Comment ça? Ah. Exactement, ce qui entre rapidement sort rapidement. Elle vient de tout expliquer. Bravo, GLaDOS. Yay. En plus, ça fait des effets de transition. Non, vraiment, c'est bien pensé, ce système de gravité. En plus, on a des chaussures anti-chute, là. Anti-dégâts de chute, je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent le jeu Garry's Mod, vous allez voir à la façon dont notre personnage se déplace. Ça fait très très Garry's Mod. Hein. Ah, faudrait qu'on se voie pour ça. Le centre d'enrichissement garantit un environnement de test sans danger. Il s'engage à vous fournir de précieux conseils dans les environnements de test les plus dangereux. Exemple, le sol de cette salle vous tuera. Tâchez de l'éviter. Ouais, d'accord, oui, bah ça j'avais bien compris. Allez, run! Attendez, parce que lui il faut faire gaffe. Je vais le mettre là. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Attendez, d'accord, j'ai capté. Attendez. Oui, oui, j'ai bien compris. Attendez. C'est pas là qu'il faut le mettre. Ça va être à ce moment précis. Yay! Voilà. Là, normalement, c'est bon. Yay! Tu te calmes, Denis. Tu te calmes, Dede. Allez, bouge, s'il te plaît. Ouais, je peux me mettre là. Ce qui peut faciliter des choses. Comme ça. Yay! Tu vas faire quoi? Yay! Hop là! Le générateur a été modifié de manière à créer simultanément deux portails reliés. Dans le cadre d'un protocole de test facultatif, nous avons ajouté une situation cocasse. Le générateur est désormais plus précieux que les organes et la somme des revenus des habitants de la ville du sujet. Très bien. Maintenant, on peut faire les deux... les deux portails, alors je vais éviter de toucher aux gâchettes parce que sinon je vais être embêté là. Et je sais plus ce que je disais. Je sais plus trop ce que je disais, mais bon. Très bien, ici. Allez hop, on continue. On continue, ça fait que 13 minutes qu'on est sur cette vidéo. Et je pense que le let's play en 3 épisodes à tout casser, il est terminé. Vraiment, il est vraiment, 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 vraiment très très court. Bon. Salut. Regardez. On est à 12 sur 19 déjà, vraiment. Préparez-vous à toute une sauvegarde. Vous croyez qu'en une vidéo je termine le jeu, moi? Vous croyez qu'en une vidéo je termine le jeu? Moi je suis chaud, j'essaye. Non, j'en sais rien. Orange. Orange. Fiu brou. D'accord. T'es sérieux là? Allez, Francesco Virgulini. Je pète un plomb. Allez, you. Ah, j'aurais peut-être pas dû. Yay! Si, j'ai bien dû. Et lui, il faut l'envoyer là-bas. Vreux. Et là, on refait. Yay! Wow! Bouh, tu vas faire quoi? On rigole 2 secondes? On rigole 2 secondes? C'est bon, j'arrête. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. D'ailleurs, mon let's play sur Portal 2, en règle générale, n'a pas beaucoup marché. Mais parce que c'est un jeu, comme je disais, très connu. Et puis c'est vrai que j'avoue que peut-être regarder des casse-têtes, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais par principe, voilà, vu que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Vous contrôlez désormais les deux portails. Oui, je sais. Ce qui suit peut s'avérer très, très
Si Ah vous bon? avez la tête qui tourne, n'hésitez pas à vous évanouir. Nous vous enverrons une sonde d'intubation contenant de la pepsine et de l'adrénaline pour vous réanimer. Très bien, merci beaucoup. Et juste là, et a priori, hein, ça devrait fonctionner. Comme sur des roulettes. Yay. Allez hop. Déjà, un bloc. Allez, viens. Et on doit le mettre. Yay. Oh non, ne me dis pas que j'ai cassé le truc. Non, ça va. On va y arriver du premier coup, vous allez voir. Je vise. Hop là. Vrouh. Trop bien. Et l'autre, il est où? Je sais pas où il est. Ah, c'est peut-être juste moi, en fait. Peut-être juste moi, il faut que je fasse comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, t'inquiète, frérot. Au protocole de test déjà cité, nous ouais. ne pouvons plus vous mentir. Ah. Quand ce test sera fini, vous nous manquerez. Ah bon? On va lui manquer. Est-ce qu'il peut me faire un signe? Manquer de père n'est pas un crime. D'accord, j'ai fait la tournade. 14 sur 19. Les sujets souhaitant maîtriser la technologie des portails à haute énergie gamma pourront être informés des questions de conformité réglementaire applicables. Okay. Aucune autre information de conformité n'est requise ou ne sera communiquée. Vous faites un excellent sujet de test. Alors oui. Ça me cause. Ça me cause. Si je fais comme ça. Voilà. Une double. Alors attendez, faut bien en mettre. On retient gauche, rouge, sens de lecture. Donc faudra mettre le bleu en second. Hop, j'y vais de ce pas. Très bien. Donc on retient que c'est le blouge qu'il faut mettre. Oh, j'allais sauter, j'allais regretter. Oui, bah écoute. Hop là! Hop là! Hop là! Et hop là! Yay! Vraiment très bien. Un ascenseur offert par la maison vient d'être activé dans la salle principale. Est-ce que je serais revenu en arrière? Non, j'ai juste gagné rien comme temps, quoi. Ah, intéressant. Ça nous fait gagner 30 secondes. Super. D'ailleurs, des speedruns sur ce jeu, j'en ai vu et c'est impressionnant. Parce que le jeu est facilement codé et en fait, on peut se balader vraiment un peu de partout de manière très impressionnante. Je vous invite à aller voir des speedruns et les vidéos d'Atomium sur le sujet. Le centre d'enrichissement ne néglige pas le bien-être des participants. Gâteaux et soutien psychologique seront disponibles à la fin du test. Merci de nous avoir aidés à vous aider. J'ai fait le jeu tellement de fois, les gars. Très bien, très très bien. Alors, je vais en mettre un ici. Un là. Pétard, j'ai loupé. Je voulais aller plus vite que la musique. Hop là. C'est où? T'es là. Vas-y frérot, pas besoin de ton ascenseur. Voilà. Déjà, comment ça non? Comment ça? Ah. Hein, j'ai. Vas-y, tu vas rien faire. T'es sérieux là? T'es sérieux frérot? Il veut pas? Si je regarde là. Non, ok. Alors je vais le faire. Je vais le faire. Yay! Voilà. Surtout que je joue à la manette, hein, je précise. Parce qu'on peut y jouer avec le stick. Enfin, avec le. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Moi je m'attends à ça plutôt. Genre un truc. On va le mettre légèrement plus bas. Voilà, là c'est parfait. Nyon, boing. Tu rentres là. Yay. On est trop fort ou on est pas trop fort? Et vraiment comme ça ça fonctionne? Comme ça ça fonctionne? Allez. Yay. Huh.
Bien sûr que ça fonctionne. Vous allez voir. Yay! Et voilà. Je suis allé plus vite que la musique. Parce que j'aime trop aller plus vite que la musique. On va faire ça déjà dans un premier temps. Et on va faire un là. Alors. Oh, attendez. Ah, ça c'est trop bien par contre. Ça c'est trop trop bien. Faut que je mette le bleu là. Vous êtes prêts? C'est une grosse blague. D'accord. Ah mais j'ai large le temps en fait, d'accord. J'ai large le temps. Yay! Saviez-vous que vous pouvez faire don de vos organes vitaux au fond de soutien des filles d'Aperture Science? Yay! D'accord. Super, merci Glagla. Hop là! Je fais des skills en petit saut, tellement je joue à Portal. Attendez, je vais bouger avec la souris. Voilà. Ah là 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 là. 20 minutes de vidéo et j'ai déjà quasiment... quasiment fait plus de la moitié des tests là. Je suis trop fort. Trop fort, non? La salle correspondant à cette séquence de tests est temporairement fermée pour maintenant sous 16 sur 19. Ouais, vous Elle allez a été remplacée par un cours pour androïdes militaires avec tirage ouais. réel. Le centre d'enrichissement vous présente ses excuses pour ce désagrément et vous souhaite bonne chance. D'accord. Non. Pourquoi? Frérot. D'accord. Alors attendez. Voilà. Erreur critique. Recherche. Hop là. Ils font presque de la peine. Je ne vous hais pas. Regardez. Normalement, si je fais ça. Yay! C'est une grosse blague. C'est une grosse blague ça. Attendez. Oh, voilà, là, là, j'ai eu peur. Je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un petit truc. Bam! Il y a des trucs là. Il y a des trucs. Regardez un peu. On peut prendre des choses là? On peut prendre ça. On peut tout prendre comme dans Garry's Mod. Un ordinateur! Waouh! Yay! Help me! Ouais, il y en a qui ont souffert ici. Très très bien. Attention! Yay! Le salaud. Le salaud! Hey. Je veux ça! Je suis toujours là. C'est très bien. Yay! Excusez-moi. Non! J'ai cru que j'allais mourir. J'y ai cru, hein. Regardez la tasse. Je la casse. Il y a des pinces. Je m'amuse. Je m'amuse. On peut le dire. Très bien, non, alors pourquoi je suis ici? Oui, bon frérot, à un moment. Ok, j'ai regardé. J'ai réussi, ouais, yes. À un moment donné. Yay. Donc maintenant, mon mouvoir à ce niveau-là. Il est plus simple. À quel moment? Ouais, tu peux le dire. J'arrive. Yay.
Attendez, c'est pas fini parce que vous allez voir. Vous allez voir, j'ai souvenir d'une chose. Ne restez pas devant. Voilà. Alors, on va en mettre un là-bas. Yay! Yay! Bah là. Genre. Ouais, là. Là, c'est pas trop mal. Qui êtes-vous? Francis Cabrel. Hop là, on y va. Bravo, oh, Android. Oh, le carrément. Centre d'enrichissement vous rappelle que l'enfer des androïdes vous attend si vous manifestez le moindre signe de protestation. Ah bon, d'accord. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer à quel point mon personnage ressemble au déplacement de Garry's Mod, quoi. Je vais vous montrer ça dès que je peux. Le conduit des appareils vitaux va générer un cube de voyage lesté. Ah oui. 2, 1. Voilà, cube de voyage. Vous accompagnera dans la salle de test. Prenez-en bien soin. Il y a un succès d'ailleurs à faire avec ce bloc à la fin. Vous voyez, le petit cœur et tout. Bouh! Il me sert de bouclier. Les tests du centre d'enrichissement peuvent occasionner chez le sujet superstition, hallucination et la conviction que des objets inanimés bougent. Le centre d'enrichissement vous rappelle que le cube de voyage lesté ne peut pas vous attaquer, ni même parler. D'accord. Alors attendez. Parce que là, j'ai des souvenirs. Là, je sais que je vais en avoir besoin tout le long de lui. Ça fait quoi, ça? Ouais. Alors non. Non, non. J'ai. Il va falloir que je mette lui là-haut d'abord. Voilà, c'est ça. Vous allez voir. Il faut que je monte. Yay. Voilà. Je vais en mettre un ici. Et un là. Je vais me grouiller. Ah, loupé. On va attendre qu'il passe. Bon. Faut qu'il se grouille là. Je vois pas. Il est là. Yay! Super. Allez, viens. Voilà. Je suis trop fort ou pas? Bien sûr que je suis trop fort. Il y a lui, c'est le plus dur. On va essayer de se mettre comme ça. Oh, trop fort! Ouais, c'est très bien. Le cube de voyage vous parlerait. Le centre d'enrichissement vous déconseille de l'écouter. D'accord. Attendez. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, d'accord, si. Un petit bug. Oh, il y a des choses là. Oh, le cube de voyage. Il y a des photos du cube de voyage. Et là, il y a quoi? Attendez, je vais voir dans ce sens-là. Il y a des choses là. Ok, bon. Des petits trucs du lore, j'avoue que... Voilà, c'est censé nous questionner. Oh putain, faut aller jusque là. Blanc, blanc. Très bien. Oh putain, il va sortir. Voilà. Oh, j'ai eu peur. Là. Ouais. Je suis en train de perdre mon temps. Allez hop. Oh là là, dangereux. Il va arriver. Attendez. Je veux mon cube de voyage. Pourquoi t'es en bas? Oh là là. Il me le faut. Il me le faut. Il me le faut. Toc. On y est. Yay! C'est une blague. C'est une grosse blague. Vraiment, Lulu, là. Oh! Je suis où, là? C'est plus où on est. Yay! Et yay! Paf! On y est. Et voilà. Vous avez réussi. Le cube de voyage lissé vous a porté chance. Malheureusement, vous allez devoir vous en séparer pour la suite du test, car il va être euthanasié. Veuillez accompagner votre cube ouais. Jusqu'à l'incinérateur autonome d'urgence Aperture Science.
Aucun sujet n'a jamais euthanasié son fidèle cube de voyage aussi rapidement que vous. Félicitations. Il y a un succès avec ça, si vous le gardez avec vous pendant un petit moment, eh ben, vous avez le succès compagnon de route ou un truc comme ça. Et il est rigolo ce petit succès à faire, parce que j'ai le jeu sur Steam. L'expérimentation touche à sa fin. Le centre d'enrichissement est tenu de vous rappeler que vous allez être cuite, puis qu'il y aura du gâteau. On va être cuite et qu'il y aura du gâteau. Je vais aller là-dessous, là. Il y a quoi? Oh, une petite radio. On visite, hein. Ouais. Des boîtes de conserve. Oh là là, cette musique. Il y a rien, là. Tu sais, il y a une petite porte. Des petites anecdotes, on peut même pas y aller. Bon. Oh, non ! Jamais j'aurais cru. Oui, on va prendre la partie. Comment on fait ? Faut que je clique, c'est ça ? Ok. L'expérimentation touche à sa fin. Le centre d'enrichissement est tenu de vous rappeler que vous allez être cuite, puis qu'il y aura du gâteau. Oui, bah si tu veux. Ah oui, c'est en ça que c'est risqué, je crois. Oui. Là, c'était ça qu'il fallait faire. Hop. C'était en ça qu'il fallait faire. On va parler couramment très très français. Ok, vous allez voir. J'ai. Attendez, non, j'ai peut-être pas en fait. Y a ça. Ça, par contre, j'ai. Alors, attendez. On va aller là volontairement et on va faire ça. Voilà. Très très bien. Donc lui, il va rester là, et moi, avec le bleu, je vais faire ça. Yay! D'accord. Ah ouais. Les mecs sont vénères, là, d'accord? Non, ok. Laisse-moi entrer. Je peux mettre là, je crée rien, hein. Non, si, je crains. Toi, là. Non! Laisse-moi! Ok. On va viser ça. Très bien. Faut que je tue les ennemis avec ça. Bon, j'attends, hein. Allez, frérot. Yay. La boue. Allez, tue-le. Ok. Point rouge. Oh non. Non, ça va être là. Salaud. Ok, là on en a un. Il est où celui qui m'a tiré dessus? C'est sérieux ça? Bleu. D'accord. Ok. Ok, non mais pas de soucis. Bleu. Non. Si, ça va. Il est là. Damn. Et lui, il va faire... Toc! Toc! Tu vas voir, en plein dans ta poire. Normalement, là, je suis tranquille. D'accord. Si je fais ça et ça. D'accord. Ok. Là, il passe. Non, je suis tombé. Et yay, cette fois-ci je tombe pas. Yay, voilà, on y est. Oh non, reviens. Reviens. Salaud. Comment je t'ouvre toi? Ah oui, tu vas, c'est tout là-bas en bas. Ok. Vas-y, reloue le hibou, ce casse-tête, il est chaud.
Ouais, non, à mon avis, ça va se faire en deux épisodes, ce let's play. Je pensais pas, dans ma tête, j'aurais mis au moins 3-4 épisodes, mais non. En deux. Super. T'as me facilité les titres. Ok, bon, on va descendre. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, ça fait quoi si j'appuie là-dessus? Ouais. Comment est-ce que je fais? J'ai pas capté là. G, je mets le orange là. C'est bon, GGG, vous avez une petite ellipse. Je mets le orange là. J'appuie là. Je mets le bleu ici. Là, je fonce. Allez. Hop. Et là, j'y suis. Voilà. Je me disais, c'est pas aussi compliqué que ce qu'on veut me faire croire. Là, j'ai juste à prendre ça, à me jeter ici, à me jeter là aussi, pourquoi pas. Oh non! Re, j'ai re mon cube. J'ai failli faire nimp. Ah mais je me suis embêté alors qu'on pouvait sauter juste là. Vous avez vu le mec? J'avais pas vu, il y a une plateforme juste là en bas à gauche de l'écran là. Et je pouvais sauter ici et moi je m'embête à faire des trucs. Oh là là. Au moins ça montre mon skill. Voilà. Ça montre à quel point je suis pas observateur surtout. On va laisser le bloc là. On va mettre ça ici. Attendez. Ah ouais. Non, on va pas prendre le risque. On va retourner là-bas et on va mettre le portail orange. Bon, je vous fais une petite ellipse parce qu'il faut aller là-bas, c'est bon, on connaît. Yay! Voilà, j'y suis. Hop là. N'empêche que. Il faut appuyer là. Hop. Viens ici. Et hop là. Tout ça pour ça. Ah. Comment dire que j'ai pas envie de prendre d'énormes risques. Voilà, on va faire ça. Ça, on va aller là. Hop là. Oh, c'est pas fini. D'ailleurs. Ouais. Là, pour le coup, ZQSD, ouais, je vais prendre la souris exprès. Parce que je vais en avoir besoin. Je sais. Ok. Hop. Yay. Comment ça? Ok. Et eh ouais, mais là. Ok, est-ce qu'avec ça c'est bien? Oui, ça va. Je peux continuer, faut que je mette un bleu. Juste faut que je comprenne ce qui se passe là. Yay. Ok. Ok, c'est là. Alors attention. Allez. Yay! Yay! Ouais! Bravo. Le prochain test implique que vous soyez exposé à des composants électriques non isolés pouvant s'avérer dangereux dans certaines situations. Pour en D'accord. savoir plus, veuillez assister au séminaire sur la sécurité électrique du centre. D'accord. Qu'est-ce que ça va être là? Qu'est-ce que cela va être? J'ai ma manette qui tremble. Wow. 19 sur 19 normalement. Ouais. Bienvenue au test final. À la fin du test, veuillez jeter le générateur dans l'annexe de récupération du matériel. La réglementation du centre d'enrichissement exige que vous ayez les mains vides. Le gâteau soit servi. Tu te calmes. Ah mais j'ai fait n'importe quoi là. Boum! Ici. Ok. Jusque-là, tout va bien. On va aller là-dessus. On va faire ça, ça. On va ouvrir et faire ça et ça. Et là, on doit attendre. On va même ouvrir, faire ça et ça. Ok. On attend. On a tout notre temps.
Donc bleu, il faut que je mette le orange. Super. Hop là, voilà. Oui, appareil de test vital détruit. Alors, il va falloir faire ça. Mais là, on est très très embêté. Comment je fais? J'ai pas souvenir de ça. Je n'ai vraiment aucun souvenir de ça. Ah bah tout simplement, suis-je bête? Suis-je bête, vraiment? Mais vraiment? Mais vraiment? Bon, je sais. Félicitations, le test est terminé. Les technologies à peinture restent opérationnelles jusqu'à 4000 degrés Kelvin. Soyez assurés qu'il n'y a aucune chance de dysfonctionnement dangereux du matériel avant votre incandescence finale. Merci d'avoir participé à l'activité d'enrichissement par ordinateur d'Aperture Science. Super. Au revoir. Ouais, ça c'est ce qu'on verra. Elle veut nous tuer. Elle veut nous tuer, mais regardez. Alors on va mettre le portail bleu juste là. Et on va faire yay. Voilà. Arrêtez. Je suis ravi que vous ayez atteint le niveau final où nous vous laissions penser que nous allions vous tuer. Nous sommes vraiment ravis que vous ayez réussi. Nous allons organiser une fête en l'honneur de ce grand exploit. Très très bien. Posez le générateur à terre, puis allongez-vous sur le ventre, les bras le long du corps. Un membre de l'équipe fête viendra bientôt. Bonjour. Où êtes-vous? Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Bonjour. Très bien. Mesdames, messieurs, nous on va pas tarder à se laisser pour cet épisode-ci. Bon, allez, voilà. Alors, on a juste allé là. Bon. Comment ça, non? Comment ça, non? Bon, on peut aller là, non? Ah oui, attendez. Si je mets ça ici, et ça là, admettons. Est-ce que je peux y aller? Yay! Ok. Oh! Une porte qui s'ouvre, une lumière qui s'allume. Ok, c'est par là. Salut. C'est pas une salle de test qu'on a faite, ça? Oh, une petite souris. Non, c'est pas là qu'il faut aller? J'en sais rien. Mais c'est de là qu'on vient? Ah, peut-être là. Oh! Ça me parle, moi, cette pièce. Alors... Non, je vous avoue très honnêtement, je vois pas où je dois aller. Ah bah là, tout simplement. Yay. Que dois-je faire? Ceci. Très très bien. On va pas tarder à se laisser les gars parce que... Ok. On est là. De la lumière. Que faites-vous? Vous ne pouvez pas fuir, vous savez. Si, je peux. Allez, on y va. Non, il n'y a personne. Oh. Et je suis donc ici. Ok, le test est fini, bravo. Retournez à l'annexe de récupération pour du gâteau. Ah bon? Nous avons passé un bon moment. Nous sommes impressionnés par votre réussite. Le test est fini, revenez. Comment ça? Ouais, ouais. Quelqu'un a coupé le gâteau, hein. De mémoire. Attendez, je peux aller là? Oui, je peux aller là. D'accord, oui. Ok, bleu. Je fouille un petit peu tout parce que... Ah si, attendez.
Je crois qu'il faut que j'aille au-dessus là. Mais je suis pas sûr. J'ai peur de me faire écraser. Non, ça va, je me fais pas écraser. Y'a quoi là? Ok, ça. Je vais mettre ça. Je peux pas passer par là? Je vais mettre l'orange là. Attendez. Allez, laisse-moi passer. Yay. J'aimerais bien qu'il y ait un temps de sauvegarde pour pouvoir vous arrêter. Genre un temps de charge là. Yay. Là on va là-dessus. Hop là. Ça devrait pas tarder à arriver d'ailleurs. Ok. Là. Ouf, ouais. Oh le tourni quoi. De là je fais quoi? Ah de là, hop. Et là je fais yay. C'est une blague, c'est une blague. Alors orange et blouge. Et là on fait yay. Non. Allez. Frérot. Allez. Voilà. Ah, temps de chargement. Yes. Mesdames, messieurs, nous on va s'arrêter ici pour cet épisode. Et le prochain, à mon avis, bah, ce sera le dernier du coup. On va l'appeler fuite. Premier épisode, les tests. Deuxième épisode, fuite. Bref, j'espère que deux épisodes, ça vous plaira pour cette play un peu léger. Voilà. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à parler de moi autour de vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir si mon contenu vous plaît. Et moi, sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Bye tout le monde.